Si vous êtes ici, vous savez ce qui se passe. Il y a un an derrière cette porte, c'était un grenier. Et il y a un an, bah, j'étais jeune, beau. Plein d'avenir. J'avais dit. Dites-vous, c'était le genre d'endroit où vous pouvez mettre des enfants tranquilles. Normalement, derrière cette porte, c'est là où j'ai passé beaucoup d'années. Je vais tourner toutes mes vidéos, enfin la majorité. Ah, c'est, j'arrête de parler. On va ouvrir ça. Pas mal la caméra qui rentre avant le. Bienvenue dans le décor, dans le studio. Vous l'avez dit. Je t'allume la lumière. Les gars, j'ai trop de choses à vous dire là. Je suis excité comme un. Comment ça, mon ref? On commence d'entrée de jeu ici. Avec ça. Bien. Ça, c'est pas là pour rien. J'ai tourné une vidéo avec, ça sort bientôt normalement. Ici, les gars, il y a des étagères. J'ai rien trouvé de mieux à mettre des Lego techniques. Voilà. Ici, regardez même pas. Non, stop. Je vais eu trop d'idées, mais au fur et à mesure des vidéos, j'espère qu'on pourra le remplir ensemble. Ici, regarde-moi ça. Un petit truc LED. J'en suis très fier. 1m70, le truc, je vous laisse imaginer un peu ma taille. Et puis je me la pète. Si vous avez vu un petit peu de verdure, regardez un peu ça. Aïe, ah, là les gars, je suis vraiment content. Les gars, ça c'est vraiment l'élément principal. Tout ça. Pourquoi je faisais des plans déjà? Déjà parce que je suis fan d'Inox Tag. De Josiane Pichet. Elles sont fausses parce que je suis vegan. À l'intérieur, on a un signe surfer. Et du coup, j'ai trouvé que ça allait très bien avec ça. Parce que c'est un peu surfer. Ici, ce n'est pas un canapé, c'est là où je tape mes meilleures siestes en fait. C'est là où je dors tout simplement. J'ai pété un truc, je te promets la vie. Toujours un peu dans le thème été, on a mis des petits bambous. Ça, c'est des petits coussins qui habillent, t'as capté. Ça fait pas de mal, c'est stylé. Je les ai achetés juste pour cacher le câble du néon. Normalement, ici, il devrait juste y avoir des étagères. Non, désolé, parce que j'ai pas eu le temps. On n'a pas le même budget aussi, ok? Il y a aussi une petite planche qui devrait sortir. Et ça, bah, j'espère que sur cette planche, je pourrai poser le trophée des 100K. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi. Donc dans les étagères, ce sera à vous de décider ce que je pourrais mettre. J'ai deux, trois, j'ai genre un petit truc de déco. J'ai utilisé bouche. Ça. Je me suis dit ça c'est stylé parce que ça fait un peu gamer et je suis un énorme bouffeur de cartes graphiques. C'est stylé en vrai, non? Dès que j'aurai un petit objet de déco sous la main, je pourrais le mettre ici, dans la petite étagère. On va remplir le décor au fur et à mesure en fait, tout simplement. Et là, un peu de nostalgie. Si vous me suivez depuis longtemps, j'ai mis un petit quadricoptère sur le mur. Vraiment, ça me tenait à cœur de mettre ça. C'est les anciens souvenirs de la chaîne en fait. J'ai mis les petites hélices. Ça c'était le décor, restez à la fin parce que je vous montre le reveal en facecam ce que ça donne. Mais pour faire mes vidéos j'ai bien le point en fait les gars. De setup. Je suis vraiment heureux, regardez moi ça. Là je vais traire les vidéos, je vais tout simplement charbonner. Regarde-moi cet écran. Mais pas trop proche. En plus c'est un projet là. Alors le fond d'écran pue. Mais attendez deux secondes. Regarde si on va sur Spotify. Et là, regardez ce qu'il y a dans l'écran. C'est pas machala ça. Le micro, je suis vraiment content, un petit micro à bras. Ça dure très vite d'ailleurs. Oh, le petit casque. Petit casque sans fil, Sony, tu connais. Et les petites lights qui ont coûté 10 balles chacune. En vrai, ça fait le taf. J'ai déjà fait quelques tests en vidéo. Voilà, on peut régler l'intensité. Ça, quand même, j'ai un peu craqué. Petite souris Logitech sans fil. 100 balles, d'accord. J'ai acheté 100 balles à la souris pour qu'elle fasse ça. Hein. Elle continue à tourner en fait. Je peux vous dire les scores que je fais au 100 mètres scroll. Le clavier mécanique. J'ai pris un clavier mécanique parce que juste je kiffe le bruit. Je pourrais m'endormir avec ça. Et l'élément principal de cet endroit. Le PC. Approche, n'aie pas peur. Regarde-moi cette bête là. 16 ou 32 Go de RAM, j'en ai rien à foutre. Que ce soit une Nvidia GX. Vraiment. Vous avez vu, c'est bon, ça me suffit. Ça fait du bon montage, c'est bon. Et sans ça, vraiment, je serais jamais aussi bien installé. Petite chaise ergonomique. En vrai, je kiffe ce style. Ça fait beaucoup plus pro, c'est sobre. J'avais hésité avec une chaise gaming, mais la chaise gaming ça tue le dos. Vraiment 300€ la Corsair. Alors que ça. Vas-y, installe-toi deux secondes. T'inquiète. Pas mal, hein? Elle est bien ou pas? Oui. Elle est banger. Je vais te saluer un peu deux secondes. Vraiment, merci beaucoup à mes parents qui ont réussi à financer ça. Je sais que c'est moins bien que la plupart des trucs, de tous les décors qu'il y a sur YouTube. On fait avec ce qu'on a. Je gagne pas des SMIC, je suis désolé. Ce que tu dis, c'est sûr que c'est simple pour lui de faire un truc comme ça.
Ça va commencer à m'énerver, d'accord. On a un beau setup, on a un décor, normalement ça devrait aller. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait pour que je gagne un streak? Abonnez-vous, likez, sinon je vous agresse, d'accord. Et si vous êtes curieux, vous pouvez regarder de ce côté-là. Quand on me dit que je m'enferme dans ma chambre, je m'enferme littéralement. Je regarde de ce côté. Il y a des barreaux, d'accord. Un jour, cette maison s'est fait cambrioler par des arbres. Et c'est l'ancien propriétaire, c'est pas nous. Il y a des barreaux en bas, en haut. Voilà, ça, on s'en fout. Il fait pas jour, mais je peux vous dire que j'ai une vue sur toute la ville. Vraiment, c'est moi le fureur. Petit truc que je voulais vous montrer. La poutre, elle tient tout le studio en fait. Elle était repeinte en blanc, j'étais vraiment dégueulasse avant, puisque c'était dans le grenier. Là, on a d'autres marques que j'aime bien. Santa Cruz, ça c'est même pas des marques, c'est juste, on dirait Gentleman, c'est ce que je dis, rien à voir. À part ça, la poutre me sert à faire des tractions tous les jours. Ah ok. En tout cas, merci à la cadreuse qui est juste derrière la caméra, ma sœur. Sans elle, j'aurais pas pu faire une belle vidéo comme ça. Là, on va passer au reveal de la facecam. Ah, c'était juste le clap du micro, hein, t'inquiète. Et voilà le résultat final. Je suis vraiment content de vous montrer ça. Ça fait longtemps que je voulais vous montrer ça. Je suis heureux. Ici, on voit qu'il manque un truc. Je vous ai dit, c'était les étagères. On va remplir ça. Abonnez-vous. J'espère qu'on sera nombreux dans plusieurs années ou plusieurs mois même. Normalement, ce décor, vous allez le voir dans plusieurs vidéos. Je vais vous saouler avec ça. Merci beaucoup en tout cas de me suivre. C'était la petite vidéo du décor. J'espère que ça vous a plu. Mets un like! Mets un like, que tu sois arabe, noir, chinois, indien, je pars trop loin. J'ai kiffé vous faire cette vidéo, j'espère que la suite vous plaira. Double ciao, non ça c'est Joker. Et c'est ciao. Oui. Et c'est Squeezie, non mais tout a été volé en fait. Google traduction, au revoir en indonésien. Selamat tinggal.